Good morgen, allez, Iden et Letus, aujourd'hui le Nishmat, Avram, Chayin, Orber, Fortune, Mazal, Yedida, Bet Esther. Et si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez la sacrée éternelle. Nous étudions la Sechet, Temura, Perekhe, Mishnah Aleph. Keitzad marimim ala bechor, mevakeret, shehaita, meuberet, omer, mashe, bemea, shelzo, im zachar ola, yalda zachar, ikav ola. Vim nekeva, ziv cheshlamim, yalda nekeva, tikrav, shlamim. Im zachar ola, im nekeva ziv cheshlamim, yalda zachar un nekeva, azachar ikrav ola, va nekeva tikrav shlamim. On traduit directement, keitzad ma'arimim al ha-bechor. Comment fait-on pour esquiver, pour ruser littéralement les harim, les orma, c'est la ruser pour contourner. Comment fait-on pour contourner le bechor? C'est-à-dire, on est en train de parler qu'en fait, on a un animal. Choulin, profane, aucun problème. Ma vache, ma brebis, ma chèvre, qui est en train, bientôt, qui va bientôt devenir une jeune maman, elle va mettre bas son premier. Or, vous savez bien que le premier qui va naître, si c'est un mâle, eh bien, il va falloir le donner au Kohanim du Beth Amikdash pour qu'ils le fassent en corban et qu'ils le mangent eux-mêmes. Donc, moi, je n'aurai aucun droit sur ce corban. Et la Mishnah vient me donner une solution. Viens, je t'apprends comment faire, si tu veux toutefois contourner le problème. Et profiter toi-même du korban. On va apporter une précision en quelques secondes. D'abord, je traduis le cas. Donc la Mishnah m'enseigne. Mevakeret. Mevakeret, ça vient de Bechor. C'est qu'elle est en train d'avoir son premier né. Shaita Meuberet. Elle était pour le moment enceinte. Elle était remplie. Et on ne savait pas est-ce qu'il y avait dedans un mâle ou une femelle. Si c'est une femelle, il n'y a aucun problème. Je peux prendre la femelle et la manger. Il n'y a aucune gdusha. La gdusha ne concerne que si c'est un mâle qui va sortir en premier-né, alors ce sera un béchor. Donc la Mishnah me suggère en me disant, Omer, il pourra dire, Mashé bemea shelzo, ce qu'elle a, celle-ci, dans ses entrailles, les me'aïm, c'est les entrailles, le ventre, ce qu'elle a dans son ventre, de celle-ci, im zachar, si c'est un mâle, eh bien, ola, je l'offre en korban ola, et la Mishnah m'enseigne que, yalda zachar ikrav ola, si, ensuite, elle met bas d'un mâle, eh bien, on pourra l'offrir en korban ola. Et j'explique tout d'abord, lorsque j'ai la gdusha du bechor, du premier-né qui va naître, la gdusha ne va s'appliquer qu'à partir du moment où le bechor va sortir. Ouais, la Torah l'insistait sur Kedesh l'ikol bechor peter kol rechem, celui qui a ouvert la matrice de la mère. Donc tant que la matrice elle n'a pas ouvert, elle n'a pas été ouverte, il n'y a pas de gdusha. Pire que ça, on avait déjà appris dans Prorot que si le petit... On le fait sortir par le ventre, par césarienne, ou bien même, il y a même deux solutions, la Gemara propose deux solutions, de le faire sortir même par la matrice, mais de manière à ce qu'on va, faire mettre un écran, une chatitza, un écran entre le bébé qui sort et la matrice elle-même. Même ça, il y a des moyens comme ça d'esquiver. Il y a encore d'autres solutions pour esquiver la gdusha, si on veut l'esquiver et le rendre profane complètement. On peut simplement le vendre même partiellement à un Kohen. Un goy plutôt, parce que la Torah elle a insisté que la Shekol Bechor, Petahurechem, Bivne Israël, Be Israël, juste ce qui est dans le peuple d'Israël, mais si toutefois il y a un goy même en association qui va être associé dans l'animal, il y a moyen de contourner. Le problème c'est que là-bas on va contourner la Gdusha du Bechor, mais on va complètement l'annuler la Gdusha du Bechor. Or il y a un interdit de procéder ainsi. Il faut a priori, pas à notre époque, c'est différent parce qu'on. De Beth Amikdash. Mais à l'époque du Beth Amikdash, j'avais un interdit de procéder ainsi. Mais la Mishnah vient me dire, mais tu sais que tu as une solution si tu veux. Pour éviter cette situation, tu vas donner un animal au Kohen et que toi, tu ne vas pas en profiter. Si tu veux, tu peux le rendre toi-même kadosh et profiter de lui, parce que tu en feras un korban. Mais dans ce cas-là, règle importante, tu ne peux pas le donner, tu dois nécessairement le faire monter une gdusha plus forte. Alors là, puisque tu as voulu le rendre encore plus kadosh, tu n'as pas été effronté en esquivant la mitzvah de la Torah, parce que tu as voulu faire mieux, en fait. D'accord? Mais pas quelque chose d'égal. De ce fait, la Mishnah me dit, tu sais quoi, tu le fais en korban ola. Vous savez bien que le korban ola, c'est un kodesh kodeshim. Et en plus de ça, il a l'avantage que... donc c'est un kodesh kodeshim, donc c'est un kodesh kodeshim, il est plus kadosh. Il a l'avantage qu'il est entièrement offert sur le mizbeach. À la différence que si tu le faisais en shlamim. On pourrait aussi le faire en shlamim, en théorie. Seul le problème, c'est que le bechor, lui, tu dois faire le korban et le donner au kohanim. Donc le kohanim qui mange, c'est plus kadosh que si c'est toi-même qui va le manger à Yerushalayim, si c'est en korban shlamim.
Donc, de ce fait, la Mishnah me dit de le faire en korban ola. D'accord? Donc, c'est ce que la Mishnah m'enseignait. Mashé bemea shelzo, imzachar, si c'est un mal, alors il le fait en korban ola. Et dans ce cas-là, la Mishnah m'enseigne, eh bien, dès qu'elle va être à bas d'un mal, d'un mal, eh bien, ikra vola, on le fait en korban ola. Parce que vous savez bien que le korban ola, c'est zachar, tamim, yakrivenu, que d'un mal. Si c'était une femelle, juste je précise, c'est important pour la suite de la Mishnah. Si par contre, la mevakeret, cette vache qui est en train de qui va mettre bas pour la première fois de sa vie, elle va mettre bas d'une femelle. Alors il n'y a aucune gdoucha. Il n'y a pas besoin de faire des conditions et de s'amuser à esquiver le problème. Parce qu'il n'y a aucun problème à esquiver. D'accord? Donc de ce fait, la Mishnah maintenant elle continue en disant Vim nekeva zivreshlamim yalda nekeva tikrav shlamim. Je traduis d'abord. Si toutefois, donc on est un petit peu dans la même lancée, c'est un peu mis en facteur ce qu'il y avait en haut, d'où le problème. La Mishnah m'enseigne Vim nekeva, si toutefois elle va naître. Elle va mettre bas une femelle. Alors dans ce cas-là, Zivre Shlamim, je le fais en corban de Zevar Shlamim, en corban de Shlamim. D'accord? On va offrir une partie pour le Kohen, une partie pour soi-même, une partie pour le Mizbeach. Et bien la Mishnah enseigne cette fois-ci, ben, Yalda Nekeva, si toutefois elle va mettre bas d'une femelle, alors tu le feras en corban de Shlamim. Maintenant, cette Mishnah, en l'état, elle est pashut, insensée. Elle n'a pas besoin, si on met en facteur tout le début de la Mishnah, quand on est en train de parler d'une vache, ou d'une brebis qui va mettre bas pour la première fois de sa vie, alors il n'y a aucune nécessité de poser une condition qu'au cas où elle va mettre bas une femelle, qu'est-ce que je vais faire avec cette femelle? Elle ne fait rien du tout, si là, lorsque la femelle va naître, tu en feras ce que tu voudras, tu en feras des bonnes brochettes si tu veux, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune doucha. Donc c'est quoi cette histoire que si toutefois elle va mettre bas d'une femelle? Sur ça, le Barthénois, nous rapporte en la Gemara, que on ne parle pas d'une mévakeret, on ne parle pas d'une vache qui va mettre bas pour la première fois, mais plutôt qu'on parle d'un korban khatat. D'accord? On change en fait de sujet, ça n'a pas été précisé par la Mishnah, ça arrive. En fait, on est en train de parler d'un korban khatat. Vous savez bien, le korban khatat, il vient qui se bat au Seira. Il vient par une femelle mouton ou par une femelle de chèvre. Et de ce fait, donc, il y a une halakha maintenant. Dans la Mishnah, dans le pérek précédent, on avait appris que Khamesh Khatot Metot, vous vous rappelez, Vetimna Aitapilegesh. En fait, c'est même pas... Bon. Vetimna Tapelegash, le premier, c'est Vlad Khatat. Donc si j'ai un korban Khatat qui m'est bas, le Vlad qui va naître, je dois... Khameshratot Metot, il va falloir le faire mourir de faim. Or, je n'ai pas envie de le faire mourir de faim, ça me fait de la peine. Alors la Mishnah Masen, sache que tu as un moyen de contourner la Gdusha, de contourner cet alakha. Fais en sorte que ce Khatat ne va pas être un Khatat. Comment? Désigne que ce qui va naître, ce sera un korban Shlamim. Tu peux aussi en faire Ola, il n'y a aucun problème. Tu peux même aussi le faire Shlamim, sans ça qu'il y a un tridouche qu'on va plus aiguiser dans quelques secondes. Pour le moment, donc fais-le en Korban Shlamim. Et donc, comme ça, là, tu vas avoir un Khatat qui va mettre bas dans Shlamim. Tu n'auras plus besoin de tuer, de laisser de faire mourir de faim le petit Shlamim, parce qu'il sera Kadosh sans aucun problème. D'accord? Maintenant, il y a un problème, deux choses à préciser. Tout d'abord, il y a un problème technique. C'est que, comment présenter la chose? C'est un peu délicat en fait. C'est un. On va présenter ça de manière un peu grossière, même si c'est pas exact, mais histoire d'assimiler le principe. La notion de Ubar Yerechimo au Lav Yerechimo. Il y a une discussion dans la Gemara qui apparaît plusieurs fois dans la chasse, en coaching surtout. Est-ce que Ubar Yerechimo, est-ce qu'on considère que le fœtus qui se trouve dans le ventre d'un animal, est-ce que c'est considéré comme un membre entier de la mère ou c'est considéré comme autre chose? Quelque chose qui pousse un peu un extraterrestre. Mais il n'est pas à partie intégrante de la mère. Il y a plein de conséquences. La Gemara, on parle très souvent, les poskim, ils parlent beaucoup de ça. Comment définir exactement? Est-ce que c'est considéré comme une cuisse de la mère, comme la hierer, c'est la cuisse, le flanc? Autant que la mère, elle a quatre jambes, elle a même aussi un ventre, et elle a même aussi un fœtus dans le ventre. Ou bien, est-ce que le fœtus, c'est un autre être? C'est autre chose, c'est pas la mère. Il y a sur ça une grande discussion. Et la Mishnah, en fait, pense ici, comme ça le Barthénois explique, elle pense en ce moment que Ubar Yerechimo, Ubar Lav Yerechimo, le Ubar, le fœtus, n'est pas considéré comme un membre intégral de la mère. Si c'est un membre intégral de la mère, je précise maintenant, on explique la notion théorique, maintenant on revient maintenant sur la Mishnah. Si c'était une partie intégrale de la mère, alors ça n'existe pas de décider de prendre ce fœtus, le transformer en un autre korban. Parce que si t'as un korban khatat, tu peux pas dire que maintenant ce khatat, demain, il va devenir un shlamim ou une ola. Ça n'existe pas de faire une chose pareille, c'est impossible. Il est déjà khatat, il est déjà ola. Donc maintenant, le fœtus maintenant qui est dans le ventre,
On peut pas prendre la cuisse de la mère et dire que, ah, la cuisse, je vais la faire, oh là, qu'est-ce que tu fais? C'est déjà un crintate. Donc, de ce fait, le fœtus, si tu penses que le fœtus, c'est une partie intégrale de la mère, alors c'était impossible de le rendre shlamim. Le chidouche de la Mishnah, il est justement de m'apprendre que Ubar lavier chimo. Le Ubar, le fœtus, n'est pas une partie intégrale de la mère. C'est autre chose. C'est autre chose qui n'a pas encore de Gdoucha. Puisqu'il n'a pas de Gdoucha pour le moment, alors il y a une halakha que lorsqu'il va naître, eh bien, maintenant il aura un statut de Vlad Ratat qu'il va falloir faire mourir. Eh bien, tu as la possibilité de faire en sorte que lorsqu'il va naître, il va avoir une. Tu lui transformes la Gdoucha, tu dis non, ça va être un Shlamim. D'accord? C'est le principe rallongé dans le Barthénora. Vous n'avez qu'à le lire et traduire, vous comprendrez que c'est exactement tout ce qu'il y a écrit. Maintenant, il y a un autre problème. Il y a un autre problème technique dans la Mishnah. C'est qu'on avait appris dans la partie précédente qu'il fallait nécessairement faire monter des animaux de Gdusha. Et pas moins. C'est pour ça qu'on t'avait demandé que du Bechor, qui est mangé en théorie par les Kohanim, tu ne vas pas le faire cadeau en Shlamim. Parce que c'est moins de Gdusha, puisque cette fois-ci, même l'Am Israël, il peut en manger. Mais il faut que tu le fasses en Ola, comme ça tu l'offres entièrement au Beth Amikdash. Alors là, on a un problème. Khatat, c'est aussi Kodesh, Kadashim, ou le. Les Bnei Israël ne peuvent pas manger, c'est que les Kohanim qui mangent. Alors c'est quoi cette histoire que maintenant tu me dis que tu peux prendre un khatat et tu vas le faire descendre un shlamim? Ça se contredit. Et la réponse sur ça, elle est que tu ne fais pas baisser la gdusha, c'est pas vrai. Parce que le Vlad khatat, il n'est pas prédestiné au Kohanim. Il est prédestiné à mourir de faim. Donc dans ce cas-là, n'importe quel korban que tu feras, ce sera toujours mieux que de le laisser mourir. Et donc de ce fait, ça ne s'appelle pas que tu diminues la Gdoucha. D'accord? Fin de la Mishnah maintenant, très simple. On est toujours en train de parler cette fois-ci de n'importe quel korban que vous voulez. Ça peut être un khatat, si vous voulez. Par exemple, la halakha va me dire, Vlad khatat, il faut le laisser mourir. Et dans ce cas-là, c'est pas que j'ai dit que si elle va mettre bas d'une femelle, j'en ferai un shlamim. Non, j'ai dit les deux. Im zachar ola, vim nekeva zivre shlamim. Si toutefois elle met bas d'un mâle, je le fais cadeau en Ola. Et si elle met bas d'une femelle, je le fais cadeau en Zifreshlamim. Et alors là, surprise, Mazal Tov, elle a eu des jumeaux. Yalda Zachar Venekeva. Elle a eu à la fois un mâle et à la fois une femelle. Alors là, la Mishnah vient m'enseigner que sache que ton intention n'était pas de dire soit l'un soit l'autre. Elle était de dire si c'est un Zachar, Ola. Si c'est une Nekeva, une femelle, Shlamim. Et s'il y a les deux, ben c'est très bien, il y aura un qui sera. Qui sera Ola et l'autre qui sera Shlamim. Zachar Ikrav Ola, le mâle il sera offert en Korban Ola, la Nekeva Tikrav Shlamim, et la Nekeva, la femelle, tu la feras en Korban Shlamim. Petite précision, une grande discussion autour de ça, comment être possèque la halakha par rapport à là? Comment trancher la halakha par rapport à ce sujet-là de Ubar Yerechimo la Virechimo? J'ai vu le Tosot Yom Tov ainsi que le Tiferet Israël qui nous rapporte qu'on tient pour la halakha que Ubar Yerechimo. Le Ubar. Le fœtus a le même statut que la cuisse de la mère. De ce fait, ça n'existe pas de lui transformer la gdoucha. C'est déjà trop tard. C'est déjà un korban khatat. Et donc la halakha, en fait, elle ne sera pas fixée comme ce que la Mishnah nous enseigne. Et malgré nous, le petit qui naîtra sera forcément un korban khatat, de Vlad khatat qu'il va falloir laisser mourir de faim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.